Eh ben bonjour. Eh ben bonjour. Nous voici à Anzers et donc on part faire un petit tour jusqu'au pas de Membré depuis les flancs. Et donc ça fait à peu près 14 kills si on redescend. Je n'ai pas regardé les dénivelés. On va redescendre, ça c'est sûr. Non mais si on prend pas la télécabine. Ah. Ben c'est parti, go. C'est parti. Chemin sympa, on a un petit bout tout simple. Après, on va faire un bis jusqu'aux étangs d'Arba et puis on va remonter le bis de Bitaya jusqu'à la prise d'eau. C'est parti. Ah, bon. Voilà, entrée dans le bis. Voilà, ombragé magnifique. Donc les bis, c'est des constructions, c'est pour ramener de l'eau et ça, c'est des espèces de canaux au flanc de la montagne pour ramener l'eau sur les cultures un peu plus bas, et donc ça va chercher l'eau dans les torrents. Et ensuite, voilà, ça amène l'eau pour irriguer les cultures, les vignes, etc. Voilà, je l'ai vu, non? Donc là, on voit Lens. Et puis la vallée du Rhône. Voilà. On est accompagné par Fabienne. Voilà, la sœur de Muriel. Quand un torrent rencontre un bis, c'est tout prévu. Donc le bis qu'on suit là, ça s'appelle le bis de Bitaya. Donc on va jusqu'à la prise d'eau. Donc on va encore monter encore un peu. Donc pour l'instant c'est vraiment très doux, c'est beau. Ça. Enfin moi j'aime beaucoup les bis. C'est apaisant. C'est très sympa. Là on voit une division du bis. Une partie qui part à droite, une partie qui part à gauche. Pour irriguer d'autres champs. On voit tout le réseau là, des bis à partir du Bitaya et du Bisdaïen. Là voilà, c'est vraiment un croisement de bis là, il y a plein de bis. Il y en a un autre qui arrive par là, voilà, et ils partent par là. Voilà. Donc nous, on va faire ce chemin. On continue ce magnifique bis. C'est un des plus vieux celui-là, le Bitaya. Un peu sauvage comme ça, il est pas très bien aménagé, disons, par rapport à d'autres bis où on peut presque rouler avec une poussette. Celui-là, il est un peu sauvage, donc c'est très très beau. La petite buvette le long des étangs, donc c'est les étangs d'Arba, on peut pêcher. Donc ça, c'est l'étang long, je crois. Voilà, encore un dérivatif. Voilà. Voilà, donc là, on commence à monter le long du bis qui commence à grimper un peu. Ça s'agite. Les eaux deviennent plus agitées. On va pas de voir les deux sœurs en action. Et ensemble, c'est cool. Montée. Oh, ça va, c'est doux, une montée douce. Donc ça va. Montée douce. Ouais. Bon, quand même, ouais, ça va. C'est joli. Donc là, il y a toute une partie du bis qui est sous nos pieds. Et puis, on se rend à la prise d'eau où commence le bis. Ah, ça, c'est la prise d'eau. Alors, qu'est-ce que tu nous disais, Fabienne? Alors,
Je dis que c'est un bon coin pour venir se baigner ici. Voilà, elle est froide. Hein. Ouais, parce qu'elle descend, ouais, le torrent descend directement de la montagne là, donc c'est bien froid, mais super bien après. Un bon point. Ah, une habitante du coin. Salut. Bonne Muriel. Ouais, elle est froide. Hein. Je sais pas combien elle est là, mais. Ah, Fabienne, elle aimerait bien se baigner dedans. Ouais, ouais, et moi j'ai pas de question. Ça descend abruptement. C'est de l'eau des glaciers. Allez, on se rafraîchit. On se dynamise. Ah, on va monter là-haut, sur la pointe en haut là, il y a une antenne, et donc c'est là qu'on va. Nous sommes aux Évouettes, à 1500 mètres, et puis donc on va au pas de Membré. On est pour 2h45, voilà, c'est reparti. On monte dans les Mélèzes. Donc là, on est dans la combe d'Arba. Magnifique combe. On va arriver bientôt dans les pâturages. Puis après, ça monte raide. C'est des magnifiques vaches de la race d'Airain. C'est ces vaches qui font des combats de rennes. Voilà, c'est vraiment des vaches dans la région, ça. Alors on va pique-niquer et regardez si c'est beau. Salle qu'on va faire sous les rochers là-haut et ensuite on monte là-bas. Ça fait déjà peur à Muriel, mais bon, ça ira. J'ai fait tout ça. Ouais, ça monte. C'est la selle, ça mène à la cabane des Audanes, donc vous pouvez, on a fait une vidéo, on
On est descendu par là. Allons remonter tout le long de cette petite pente jusqu'à là-haut. Attention. Ben, c'est magnifique, hein. Mais c'est, la montée elle était... Franchement, j'ai eu un peu de peine. Hein. Mais... Pourtant, elle me semblait avoir physique, hein, mais... Bon, il reste encore un bout jusqu'en haut. Bon, moi j'ai failli crever en montant là. J'ai dû faire une hypo. Enfin bref, c'était pas terrible. J'ai vraiment peiné. Mais bon, résultat c'est beau. Hein. Regardez où on est là. La comble là, c'est le Donin là, c'est magnifique. Si je te filme. Mais c'est pas moi qui vais bien, hein. C'est Fabienne. Moi je l'ai roté. Voilà, puis un joli petit point d'eau là. On a pu refaire le plein, c'est de l'eau fraîche. Hein. Ah ouais, fraîche de chez Froid. Nous sommes à Donin, 2236 mètres. Et nous allons pas de Montbré. Ça, c'était la montée là-bas. Ben, puis ici, c'est raide. Hein. On arrive jusqu'au plateau. Donc, un magnifique point de vue sur Sion. Et là-haut. Notre direction, le petit pas là-haut. Le passage le plus dur. Yes. On est au pas de Montbré. On l'a fait. Voilà. C'est bien. Donc là, on vient de faire 1166 mètres de dénivelé. Donc, Youpi. Trop fort. Bravo. On est fiers. Je fais juste un petit panorama pour que vous appréciez. Les Alpes valaisannes. On vient de là-dessous. On est monté la deuxième trace, nous. Il y en a une en bas, une en haut, là, et puis une en haut. Nous, c'était celle du milieu. Et là, yaouh! On voit super bien où on a passé là-bas. Donc voilà, c'était ce chemin qu'on a grimpé. Et voilà, Mumu. Et voilà, c'est terminé. On est arrivé. La boucle est bouclée. Donc là, on est arrivé à Anzers. La descente était rude pour mes petits genoux. J'étais bien crevé déjà en haut, donc la descente, waouh. Mais bon, voilà, comme on ça. Mais on est arrivé! Bravo! C'était bien. Et puis, bah voilà, on a fait 1000. Passé 1000 mètres de dénivelé. Ah ouais, ouais. Je sais plus, on vous dira. 1187 mètres de dénivelé. Et on a fait 14 kills. C'est pas mal en montagne et tout. Bon. On remettra ça dans quelques jours. Faut que je me repose d'abord. À bientôt. Donc, si jamais vous retrouvez toujours la trace GPX dessous,
dans les commentaires, enfin dessous vers les commentaires de YouTube. Et puis ben merci de nous suivre et à très bientôt. Et merci à Fabienne de nous avoir accompagnés. Voilà. Ça nous a fait plaisir. C'était cool. Ouais. Cette randonnée à Anzère en Suisse démarre des flancs. Nous remontons le Bis du Bitaya jusqu'à la prise d'eau aux Évouettes, puis nous grimpons la Combe d'Arba par un très long bout de flanc de montagne jusqu'à Denain. Nous atteignons le Pas de Membré à 2390 mètres, sommet de notre randonnée. Nous redescendons par la Brune jusqu'à Anzère. Nous avons marché 14 km pour 1180 mètres de dénivelé positif et 900 mètres de dénivelé négatif. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de nous encourager en cliquant sur le pouce et surtout abonne-toi pour être averti de nouvelles vidéos. À très bientôt pour de nouvelles randos.